alors la monobrosse, celle-ci c'est une monobrosse basse vitesse, d'accord? Elle servira à quoi, hein? On pourra faire quoi avec? Décapage, shampoing, récurage, d'accord? Il y a encore aussi lavage mécanisé, tout simple. Donc après, le plateau, comment on l'installe? Il faut toujours pencher la monobrosse au sol en pliant bien ses jambes, d'accord? On prend le plateau et le plateau, on va le mettre, les petits points d'ancrage et on tourne vers la gauche. D'accord? Comment on voit qu'il tient bien après? Toujours vérifier s'il s'en va. D'accord? Donc la monobrosse, toujours bien dérouler le câble, hein, tout dérouler bien sûr. Et regardez si le câble n'est pas abîmé. Et vous le mettez à hauteur de votre bassin. Venez derrière la monobrosse s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Ensuite, toujours mettre le câble aussi sur l'épaule. Important. D'accord? Latéral, les lignes. D'accord? En formation, on a trois sortes de monobrosses, hein, la basse vitesse, qui ira de 120 à 190 tours par minute. Donc, quand elle tourne sur elle-même, d'accord, elle tournera doucement. D'accord. Ensuite, il y a la haute vitesse, qui démarre à 300 tours par minute jusqu'à à peu près 800. Hein. Donc, cette machine-là servira pour tout ce qui est spray et lustrage. Et après, nous avons la très haute, donc de 800 à 1500. Voilà, super. Revenez vers moi, montez, c'est bien. Vous sentez quand vous baissez ou montez? Ouais. Comme la voiture, hein. Faut prendre le mécanisme, après c'est automatique. La basse vitesse ira plus doucement, mais elle sera aussi plus lourde pour avoir plus d'impact sur le sol, plus de pression au sol, pour tout ce qui est lavage, décapage, d'accord? Alors que la haute hein, ira plus vite, mais du coup, il y aura moins de pression au sol aussi, qui sera aussi aidée avec le plateau qui a un amortisseur dessus. Donc les monobrosses, hein, on va, avec la basse vitesse, hein, on va utiliser des disques des fois aussi pour décaper, d'accord, avec le disque noir. Hein. On va décaper un sol, pourquoi? Parce qu'il va être à bout d'un moment, il va être rayé, abîmé, hein, il aura une protection sur lui, une émulsion. Et à force de passage, hein, suivant les lieux bien sûr, hein, on va le décaper, remettre le sol à nu et après remettre une couche d'émulsion. D'accord. Donc là on prendra le disque noir. Après, si on veut aussi après entretenir ce même sol, hein, on fera une spray méthode avec un disque rouge et là on prendra une monobrosse haute vitesse qui ira beaucoup plus vite, qui fera briller le sol, hein, avec un produit spray. Et ensuite aussi en entretien, il y a le lustrage, la gamme au-dessus, pour vraiment finir et durcir l'émulsion. Si vous utilisez la mauvaise brosse ou le mauvais disque, hein, votre sol peut être abîmé, brûlé, hein, avoir des conséquences très graves. Hein, donc après, le client, bien sûr, ne sera pas content.